Salut à tous et bienvenue pour ce SOPMAC spécial WTS. Nous voici à la deuxième manche, et également la dernière de l'année 2011, en Division 1. Comme vous pouvez le constater sur les images, le terrain a subi de profonds changements, à commencer par un Super Bowl tout neuf, un nettoyage complet du turf, mais aussi l'installation d'une prison avec l'adoption du règlement PSP. Il faut badger pour marquer, mais également pour aller dans la prison. Bref, pas mal de nouveautés qui devraient nous apporter du beau jeu. Allez, juste le temps pour les équipes de se régler et on part pour un petit résumé. Voici la liste des matchs du jour, et comme vous pouvez le constater, il y a de belles confrontations à venir. Fusion, Elite et United font leur entrée dans la compétition. Les équipes qui sautent cette manche aujourd'hui sont Icon, Ballistic et Epidemie. Allez, allumez vos lanceurs, mettez votre masque et c'est parti. Et on commence avec les Red Bull qui ont fait une manche plutôt mitigée. En effet, ils jouent leur premier match contre Carnage et cela se passe plutôt mal puisqu'ils perdent 4-0. Mais heureusement pour eux, ils gagneront leur deuxième match contre Fusion 5-3. C'est également leur première victoire de la saison. Quant au Carnage, ils ne jouaient que deux matchs aujourd'hui, et ça s'est plutôt bien passé pour eux puisqu'ils gagnent les deux. Et nous allons tout de suite demander à un joueur Red Bull, en l'occurrence... Manu, de l'équipe Red Bull. Salut Manu, comment se passe la journée pour les Red Bull ? Ça se passe plutôt pas mal en fait. On a eu notre premier match contre Carnage, Team CPL, avec du très bon joueur dedans. Donc on perd 4-0. Bon, le contenu du match ne reflète pas du tout ce résultat, mais voilà, on accepte. On s'est remis en cause et puis on a joué ensuite contre Fusion, où il y a des anciens ennemis, un petit outrage, enfin du beau monde quand même, qu'on apprécie et qui joue quand même pas mal fort, et donc ce match-là, on le gagne. Il vous reste donc à jouer un match aujourd'hui. Contre qui ? Éminence Vision. Pause. Attends, comment ça, Éminence Vision ? Je comprends pas. Parce que Lionel Parra fait partie du roster, Dada, Chris Godin, le jeune Emric. D'accord, et donc là, comment est-ce que vous sentez le match ? On a bon espoir, bien sûr, de gagner. De toute façon, on est là pour ça. Malheureusement, les inquiétudes de Manu seront fondées. Les Éminences remporteront le match contre Red Bull 6-2. Les Red Bull se classent 11e sur 12 après 2 journées et 6 matchs joués et un goal average de moins 17. Il leur reste 3 manches pour remonter la pente. Et on va redonner la parole à Manu pour conclure. Un dernier petit mot. Je souhaite à SOP une longue vie et merci pour cette interview. Au revoir. Merci Manu et à très vite. Les Fusions aussi ont eu du mal à y voir clair sur cette manche. En effet, ils ne remportent aucun de leurs 3 premiers matchs de la saison WTS Division 1. Eux qui sont pourtant habitués à jouer le haut du tableau. Ils perdent leur premier match contre Carnage 5-2. Ils perdent ensuite contre les Red Bull 5-3. Et ils terminent par une cinglante claque 4-0 contre les Tigres. C'est donc une manche à oublier. Malheureusement, on est un petit peu déçus cette première journée. Alors après, le groupe prend beaucoup de plaisir quand même. On tente des choses, on s'entraîne. On a mis en application lors de cette compétition. On sait qu'on aura des jours bien plus heureux que ceci. Et on vous le souhaite, les Fusions, à bientôt. Dans la famille de ceux qui n'ont remporté qu'un match sur cette manche, on retrouve l'équipe Elite. Les joueurs de l'Ouest gagnent leur match contre Mortifier 5-2, mais ils perdent contre Tigre et Mustang sur le même score, 5-1. Ça fait mal. Les Mustangs dont nous parlions à l'instant n'auront pas vécu une superbe journée, à part le match contre Elite remporté 5-1, ils s'inclineront contre Éminence 7-3 et contre United 5-2. Ils se classent 6e sur 12, mais attention derrière eux, certaines équipes n'ont joué que 3 matchs. Les Mustangs font aussi partie du club très fermé des équipes qui auront subi une pénalité majeure pendant la deuxième manche.
et c'est le prisonnier en personne qui va vous expliquer sa faute. Ça va ? Ça va. Ils sont pas trop seuls ? Non, bah j'ai pris une majeure, alors du coup on se fait un peu chier, ça fait 2 points en prison. Et une majeure par rapport à quoi ? Gun illégal. Gun illégal ? Ouais, en gros. Donc là, t'as combien de temps à tirer ? 1 minute 20. Donc là, il y a, je pense, à peu près 1 minute qui est passée sur le premier point. Il doit me rester 15-20 secondes à tirer. D'accord. Et comment tu sais quand tu dois sortir ? Il y a un petit bouton là. Ah. Là, il est rouge et dès que ça passe au vert, je saute. D'accord. Et voilà, vous savez tout comment fonctionne la prison à la WTS. On passe aux équipes qui ont fait un carton plein sur cette manche et on commence par Éminence. L'équipe Éminence est renforcée effectivement par certains joueurs connus. Pourtant, la première manche n'a pas été une sinécure pour eux. Ils n'avaient d'ailleurs remporté qu'un seul match ce jour-là. Cette deuxième manche remet les pendules à l'heure puisqu'ils gagnent leurs 3 matchs. Ils gagnent 7-3 contre Mustang, 5-1 contre United et 6-2 contre Red Bull. Nous verrons donc sur la prochaine manche s'il confirme cette bonne forme. Et on termine par l'équipe en forme du moment, les GK, qui marchent sur l'eau. Depuis le début de la saison, ils ont remporté leurs 6 matchs. Et sur cette deuxième manche, ils n'auront joué que 14 points. C'est un quasi sans faute pour les Tigres qui gagnent 5-1 contre Elite, 4-0 contre Fusion et 4-0 contre Mortifier. L'année 2011 se termine très bien pour les Tigres GK. On s'attend à de beaux matchs en perspective avec eux sur l'année 2012. Allez, un petit récap des scores pour ceux qui ont la mémoire courte. Et le classement après cette deuxième journée. Voilà, c'est terminé pour ce résumé de la deuxième manche Division 1 WTS 2011-2012. On se donne rendez-vous le 18 mars 2012 pour la troisième manche. Nous adressons un grand merci aux joueurs pour leur disponibilité. Entraînez-vous bien tout l'hiver pour nous revenir plus fort en 2012. Très bien, le flot de billes et la technique. Restez fair play en toutes circonstances. On se dit bye bye et à bientôt.